Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la saison 5 d'Oxygène Not Included déjà. Alors, j'ai été un peu frustré par rapport à la saison 4, j'avoue. Donc, j'ai attendu un petit peu. Il y a une mise à jour ici un petit peu plus importante. Donc, la fameuse ranching qui va amener pas mal de choses. Donc, entre autres, comment dire, l'approvisation, ouais, non? Le fait d'approvisionner, apprivoiser les créatures. Donc maintenant, on pourra faire ça et pouvoir, comment dire, s'occuper d'eux. Alors, il y aura pas mal de différences entre les bêtes, par exemple, les bêtes sauvages et les bêtes apprivoisées. Évidemment, les bêtes apprivoisées produiront plus que les sauvages, mais auront plus de besoins aussi, je crois. Eh bien, on verra. Ça m'a l'air d'être... plutôt bien non, parce qu'il n'y a personne en construction et ça, du coup, ça va être un petit peu contraignant. On peut faire ça comme ça. Allez, saison 5, comment on va l'appeler? Horror State. État d'horreur. Allez, pourquoi pas. Ou Distress Call. Appel de détresse. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit, je ne suis plus sûr. Bon, allez, soit, on est parti. Donc, pour notre premier épisode de notre saison 5, je suis tout en foufelle, comme on dit chez nous. Allez, c'est parti. Tac. On va monter, il y a pas mal de petites fonctionnalités qui ont changé, évidemment. Tab, voilà. Voilà, tac. On a de l'eau en dessous, ça c'est parfait. Là on a du copper ore, donc du cuivre. Ah, il faut se refaire au jeu aussi, hein, excusez-moi. On va laisser faire tout ça tranquillement. Non, pas ça. On a besoin encore de l'oxydite pour un petit moment. On va aller faire ça directement, comme ça on aura l'eau, on aura accès à l'eau. Et alors, ce que je vais faire, on va creuser. Je sais pas, je vais tenter des choses dans cet épisode, enfin dans cette saison. Des choses que j'aurais pas encore testées, par exemple pour les toilettes entre autres. Ah, super, bon bah super les gars, allez-y, hop, on va construire ça. On va pas y arriver. Ça creuse, ça construit. Voilà. Ah ouais. Non. Trop tard. Déconstruire. Voilà. On verra comment on peut faire ça. Hein. Je cherche encore. Je cherche une solution. En fait, je voudrais que mes toilettes, ce qui n'est pas bon, repartent par ici et alors arrivent par exemple dans un autre. Comment je vais appeler ça? Dans un bassin d'eau usée, en fait. Voilà. On verra. Peut-être que je vais faire un peu n'importe quoi, on verra. Comme ça pourrait peut-être déjà commencer à faire n'importe quoi, évidemment. Voilà, donc là on est déjà pas bon, évidemment. Il faudrait creuser ici. Creuser ici aussi. Pourquoi pas?
Voilà, c'est surtout ici en fait qui est important. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ça construit, ça creuse. On n'a pas de lit par contre. Oui, bah oui, ça fait déjà n'importe quoi. Si on peut plus faire ça, après 5 saisons, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Alors, on va creuser autant qu'il va bien. Il y a quelque chose qui coule, je ne sais pas quoi. C'est de l'eau sale. Ok. Là, il faut évidemment terminer ça au plus vite. C'est quoi ça? D'accord. Voilà. Voilà. Ça va être notre... notre bac à eau sale. Je vais essayer évidemment d'y placer tout ce qui... Tout ce qui pourrait être embêtant. Tout ce qui pourrait salir. On verra. Voilà, stinky. Ok. Au moins ça. Voilà, ça c'est bon. Voilà, comme ça, aux toilettes. Et une porte. Important. Si on veut préserver la tranquillité et l'intimité. Ou pas. Hop, on va faire ça parce que... ça fait un peu nappe ici. Fertilisant, ok. Et on pollue. Voilà, en neuf. Ça c'est fait. Run unreachable. Oui, c'est logique. Voilà, boum. Ça construit, il y a des lits. Bon, je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais tout soit. Il me semble que j'ai déjà détruit l'oxydite qui était là. J'ai un doute, mais... ça me paraît plus que plausible. Voilà. Ça me paraît, ouais, plus que plausible. Malheureusement. Alors, on a un deuxième bac d'eau, ok. Bon, pire des cas, on peut repomper pour foutre là-bas. Cool steam vent, nouvelle chose. Tiens, c'est quoi ça? Ok. Donc c'est avant froid. Non. 102 degrés, mais ça va quoi. Une sortie de vapeur froide. Normalement cool, c'est refroidissant. C'est pas. Pas tout compris, mais c'était bien. Déjà faire ça, ça c'est bien si on peut déjà avoir une certaine des certains endroits pour déjà accueillir l'eau propre, l'eau sale. C'est même plus que parfait, comme on dit. Alors, la nourriture, on n'a pas, ça c'est cool. Oui, c'est vrai, je suis occupé de parler, et j'ai rien avancé dans ce qui pourrait éventuellement avancer notre colonie. Oui, c'est vrai, j'en ai... mea culpa, c'est ma faute. Voilà. Voilà, bon. Alors... j'ai pas de minéraux. Là, il y en a. Et là aussi d'ailleurs. Qu'on soit d'accord. Bon, du sable et tout ça, ça ouais. Mais le reste, non. Ok.
Ok. Bon, pour le moment, ils sont tellement occupés à tout nettoyer, à tout miner, qu'ils en oublient un peu de construire, mais c'est pas grave, je les pardonne. Ouh, voilà. On va avoir à chaque fois un problème d'eau. Oh, puis l'eau restante, on l'évacuera ici. Bon, j'espère que du coup, ça va pas poser trop de problèmes. Bon. Alors, du coup, on va prioriser ça à 9, alors. Hein. Voilà, ça c'est fait. On va les laisser faire. On va prendre un duplicant qui n'aura pas de lit. Malheureusement pour lui. Ouais, j'ai pas regardé les réponses au stress. Oh, il commence à avoir tellement de paramètres dans ce jeu que... ça commence à devenir un petit peu compliqué quand même. Hein, à gérer le bazar, comme on dit. Là. Ok. Voilà. Impeccable. Il nous faut de l'eau. On a déjà deux endroits. C'est vrai que j'ai encore rien fait. Hein. Waouh. J'ai laissé creuser, j'ai laissé faire des pièces, ça oui, mais pour le reste, il n'y a plus personne. Bon, je sais pas si mes toilettes, elles vont être. En tout cas, pour ces toilettes-là, non, ça va pas être fonctionnel. Pour le reste, ça pourrait l'être. Ouais, je vais essayer quand même de faire quelque chose de bien avec l'eau propre et l'eau sale. Voilà. On va passer de l'autre côté au cas où. Tant qu'ils font ça, ils construisent déjà en quelque sorte la base. Et là, ça va être pour l'oxygène. Pour ça ici. Tac, 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 tac. Comme ça, ici, on aura de l'oxygène et on pourra monter. On construira vers la hauteur. Ça me paraît bien. Ok, là c'est bon. Alors pas d'oxygène des... ouais. Bon, pour le moment ça va. On a quand même les oxylites. On avait les oxylites, je sais pas où ils sont passés. Est-ce que je les aurais détruits? C'est fort probable. Dans ma sagesse infime et infuse. N'importe quoi. Bon, suffoque. Qu'est-ce qui suffoque? Ouais, ok, bien joué les gars. Ils vont mourir. Ah, ça va. Ouf. Tout n'est pas mort. Enfin, tout le monde n'est pas mort en tout cas. Lol. Bon, le temps qu'ils réagissent, on avait un gros problème. Alors, c'est bon. Il y a des choses à faire. On va les laisser faire. Il y a normalement un lit à faire aussi. En parlant de faire quelque chose. Et un lit en fer à faire. Eh oui. Alors, distress call, pas de problème. Bon, je chope de la nourriture, je ne sais pas trop où, mais soit. Avec ça, je suis content. Ok. Là, je crois que... ouais. Si je fais delete... ah non, ça marche pas. On sait jamais, hein. Je fais des tests, hein. Je vous ai dit... la 7e saison va être un petit peu un changement, j'espère. Wrangle, c'est quoi ça? Tiens, c'est aller chercher... ouais, aller chercher des animaux. Pourquoi pas? Ok. On va les laisser faire, encore, toujours. Je vais éviter de donner 50 millions d'ordres, hein, bien sûr.
C'est juste l'oxygène qui va commencer à poser problème maintenant. Et donc, pour bien faire, il faudrait créer un générateur. Toujours délicat votre chose, hein. Là et là. Ah, bien sûr ça. Voilà. Et des batteries. Voilà. Quelques batteries ici. Au moins pour l'oxygène maintenant. Enfin l'oxygène, l'énergie, pardon. Voilà. Le reste après, ça devrait aller. Médecine. Ok, station. Station de recherche. Attention, attention, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Power, wire. Tac, tac, tac. Et alors, il nous faudrait une station de recherche. Alors là, je l'avais tout à l'heure. Station de recherche, elle est là. Je suis un peu perdu, hein. Je dois vous avouer qu'avec toutes ces nouveautés, tous ces changements, parfois difficile de se repérer dans toutes les choses qu'on a à faire. Voilà. C'est bon, ça c'est bon. Ils veulent pas ramasser, mais c'est pas grave, tant pis, on va les laisser. Ah ouais, ils ont rien pour stocker. Ah ah. C'est là leur problème. Voilà. Alors, dans les recherches, je peux toujours pas. C'est logique. Ou pas. Non, c'est tout à fait logique. On regardera aussi pour faire la nourriture. Ce serait peut-être une bonne chose. On va la mettre là. Pourquoi? Pour pouvoir accéder grâce à ça à l'eau. Ici. Alors, de l'eau, justement, on en parle. Pitcher pump. Hop, ça c'est cool. Un videur de bouteilles. Eh bien. Un videur de bouteilles, comment on peut faire ça? Bien ici peut-être. Ça me paraît pas optimal, mais tant pis. Voilà. Hall. Et hall. Pour commencer. Hop, ici on va faire ça, mais je crois qu'on sait pas y accéder, oui. C'est bien ça, hop. Voilà, on va les laisser dormir, on a des bêtes qui mangent tout. Ça c'est un petit peu embêtant. Si je fais ça par exemple. Ah ouais. Ils vont le capturer, ouais, mais je vais peut-être annuler cet ordre alors. Parce que, ne sachant pas. Voilà. Ne sachant pas ce qui va se passer, j'ai pas envie de me faire tuer méga par ces bêtes. On sait jamais. C'est pas la première fois qu'une mort bizarre arriverait ici. Hein? Qu'on soit d'accord. Alors, l'oxygène. Voilà, bon. J'ai dit, je tentais des trucs. Eh bien, ce sera le moment de voir si tout est OP. Ça va, il commence. Ouais, vous voyez, c'était ça. Il n'y avait rien pour aller déposer et stocker. Maintenant, on va les laisser une fois faire tout ça, stocker tout ça. Et une échelle ici, ce sera peut-être pas trop. Ce sera pas du luxe, comme on dit. Alors ça, je voudrais bien aller voir ça. Je suis curieux, je sais. C'est un de mes défauts. Voilà.
Colonie Lax Ténurette scientifique. Ok. Ah, là, il n'y a pas de courant, évidemment, pour le microbe musher, pour le hachoir à microbe. Ok, ça, c'est bon, on peut le faire. Unreachable dig. Lol. Quoi? D'accord. Bon, mais soit. Ah, on a les recherches, j'avais déjà oublié. Oula. J'ai l'impression qu'on commence à avoir des menus... Bien fourni, regardez. Oh là là, oui. Eh bien, on va commencer par là. Tiens. La recherche avancée. Ouais, pour le moment, la ventilation, le décor intérieur et la plomberie, on n'a pas vraiment besoin. De toute façon, tout est sujet encore à modification ici. Hein. De toute façon, c'est toutes ces salles-ci. Recherche. Je vais regarder où sont les femmes. Non, pas les femmes. Vous m'avez devancé, mais c'est pas ça. Airflow tile. Ah, et ça va être les ventilations. Ben, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Hein. Bon. 4000, haha, on est un peu dans la misère du coup, à cause mon manque d'application pour la nourriture. Bon, on va les laisser faire, du coup. Bien joué. Alors, les bâtiments, station, jobs board, ok, c'est plus tard ça. Ouais, c'est quand j'aurai terminé ça, ok, autant pour moi. Je suis nouveau, j'apprends, cinquième saison, on découvre des nouvelles choses, donc forcément, ça déstabilise un petit peu, autant vous le dire. Voilà, ça me paraît bien. Et après, on va laisser, hein, parce que les malheureux. Swap, non. All. All. Tiens. C'est quoi ça? C'est pas un conteneur? Tiens. Ça a changé. Avant, on pouvait choisir si c'était de l'eau propre ou de l'eau sale. Et ça a plus l'air d'être le cas, tiens. Non, je sais pas. Tiens. Ouais, trop de pression, trop de pression. Ici, ça va aller aussi. Trop de pression, bien sûr. Pour le moment, c'est pas top pour la nourriture. Hein. Le hachoir à... Ouais, finalement, j'avais oublié aussi de faire ça. Impeccable. Il nous faut de la terre, il nous faut de l'eau. Storage. Ok, on va le mettre en neuf. Et on va mettre une pompe. Ici. Il n'y a pas de raison. On n'en met pas. Hein. Voilà. À 9. Vas-y, Ellie. Tu peux me faire plaisir. Il galère. Hein. Oh là là. Et lui, on mettra que de la terre. Comme ça, il y aura directement de la terre. Ils vont pas devoir chercher tout le temps. Partout. Et alors, ce serait bien de ramasser aussi. Oh, c'est une blague. Merci. Voilà. Alors. Cultivable soil. De la terre. En neuf.
Étant donné qu'il y aura besoin que de la terre ici, hein, forcément. Avec le hachoir à microbes. Et on aura de l'eau ici, juste à côté. Ça devrait être bien. Et est-ce qu'on sait... J'allais dire stocker de l'eau. Ça paraît bizarre quand je dis ça, mais pourtant... Alors, Jobs, toujours pas terminé, logique. Ah, la recherche avancée, elle continue, Stinky. Vas-y, fais-moi plaisir. Ok. Food safety. Learn how to manage food. Ouais. Fetching water. D'accord. Ouais, forcément, ouais. D'accord. Et là, cancel bug, parce que ça a pas l'air de vouloir fonctionner. Ah, on n'a pas de courant. Super. Ça va pas être cool, par contre. Cultivable soil. Non, c'est organique. Ouais, ok, il veut pas. Non. Agriculture? Non. Salut, je suis perdu. Consume Mabel Or. Ok, j'ai pas de charbon. Sympathique. Il y en a plus de courant. Non plus. Faudra mettre une personne à neuf ici. Au moins pour... pouvoir faire faire fonctionner le hachoir à microbes. On n'a pas 36 solutions. Ça va. Non. J'allais dire la prise de courant. Tiens, je vais le mettre à 9 aussi ici. Hein. Tant qu'on n'a pas d'autres sources d'énergie, on n'a pas le choix. Voilà, on va mettre un à 20 et l'autre à 80, comme ça. Au pire des cas, quand il y aura un manque, eh ben, il y a une deuxième personne qui viendra assister. Parce que là, sinon, ça va être critique. Hein. Ok, on va laisser comme ça. L'oxygène, j'avoue que c'est pas top, mais bon, tant pis. Allez, un dernier point pour Stinky. Et là, on essaiera de vite rechercher les dalles pour faire passer l'oxygène. Pour le moment, c'est pas... Non. On est loin de ça. Recherche terminée. On se souvient encore de ce petit son. Les ventilations. Donc, c'est leur airflow tile. Ouais. Et là, il y a besoin des deux. Super. On va faire la ventilation. On va y placer la deuxième station. Le Jobs Board et le supercomputer. C'est parti. On n'a pas énormément de ressources. Hein, parce qu'on a vu que dès qu'on a placé le supercomputer, on a vite été restreint. Si vous pouvez éviter toujours de désinfecter, ce serait bien aussi, mais bon, soit. Et là, on arrive à nos retranchements, c'est-à-dire où on a 4 personnes et les 4 personnes sont occupées. Et bien occupées, d'ailleurs. Bon, il y a Ghostman, Ellie et Ada qui sont constamment occupées. La troisième, donc, doit alterner entre toutes les tâches, si j'ai bien compris. On va regarder s'il y a quelque chose d'intéressant. Oui. Et non. Celui-ci est sympa, mais bon. Il commence à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de statistiques et de caractéristiques dans les personnages et dans les jeux, dans le jeu même. Ça commence à devenir très, très intéressant. Souvenez-vous, à la saison 1, je trouvais que la profondeur du jeu était déjà pas mal. Mais alors là,
Au plus le temps passe, au plus je me dis que ils ont dû en passer du temps à réfléchir là-dessus. Allez, faut absolument quelqu'un pour faire à manger. J'ai pas le choix. Il va falloir que je prenne quelqu'un d'autre. Allez, hop. Voilà. On est 5. Il y a 4 lits. Ok, ouais. Autant pour moi. J'allais dire, et... il n'y a pas de lits. Mais si, si. Pas de panique. Voilà. Sinon, on va pas y arriver. Croyez-moi. Alors, dans les priorités. Oula. Ça a changé ici. Ouais. Ah ouais, d'accord. D'accord, c'est avec... ok. Voilà. Oui, j'aime pas trop le... En fait, c'est clic gauche, on monte la priorité, clic droit, on la descend. J'aime pas trop le système, par contre, là. Non. Je sais pas, je trouve ça moins intuitif. Qu'avant, en tout cas. Bon. C'est peut-être... aussi, faudra peut-être un petit temps d'adaptation. Et c'est ici qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bien évidemment pour le prochain. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous aussi. Bye bye.